bulletin d'information sera présenté le dernier jour de chaque mois au point d'intersection entre deux mois pour avoir le résumé du mois précédent et un aperçu du mois suivant. Voici le nouveau bulletin des infos au diapason. La France semble se tourner davantage vers la Chine. Le président Macron et son homologue chinois, Xi Jinping, ont convenu d'approfondir la coopération entre les Français et les Chinois. À différents niveaux, notamment au niveau économique, pour élargir l'accès des banques et des infrastructures financières au système de paiement interbancaire par paiements digitaux. Au niveau agricole, celui de la production verte, au niveau commercial pour des négociations justes et équitables entre les deux nations, au niveau aéronautique, pour promouvoir la certification réciproque de navigabilité des appareils aériens des deux parties. Ainsi qu'une coopération au niveau militaire, au niveau cyber et au niveau de l'espace. Alors, si j'aborde la question des relations entre la Chine et la France, c'est que la Chine est considérée comme une zone pionnière de la monnaie numérique, un modèle mondial, notamment la province de Hainan. Mais c'est également la Chine alliée à la Russie tout autant que l'Ukraine et quelques pays de l'Est qui sont en train de se développer au niveau financier et au niveau de la crypto-monnaie de manière exponentielle. Les entreprises du monde entier pourront y entrer plus facilement, les investissements seront transparents et la protection de la propriété intellectuelle sera renforcée. Le plan prévoit que les industries et les produits transformés à Hainan seront exonérés de TVA. Les résidents de l'île pourront profiter d'achats hors taxes et les touristes y seront aussi autorisés et les impôts sur les revenus des talents qui y travailleront ne dépassera pas 15%. Cette île pilote a ouvert plus de 10 millions de portefeuilles individuels et plus de 116 800 magasins locaux acceptent désormais les paiements en yens numériques. Dans la foulée, la Russie, après de nombreuses années de restrictions, a déréglementé la crypto-monnaie.
et le président Poutine a proposé une nouvelle loi pour en permettre le trading mondial. Le commerce des crypto-monnaies est donc dépénalisé en Russie, qui a lancé le pool de devises fiduciaires de l'échange de devises numériques en dollars et en euros à la mi-février. L'adoption de la législation russe et la légalisation des échanges de devises numériques est en cours. La monnaie numérique sera donc utilisée dans certains pays de l'Est comme la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie et puis évidemment toute la Chine pour les transactions pétrolières qui sont officiellement taxées, et la Chine participe à cette construction du pool de capitaux russe. En Australie, le lancement des paiements numériques et l'utilisation de la crypto-monnaie a commencé le 21 février. En Europe, tous les pays occidentaux gèrent dorénavant les passeports vaccinaux qui ont servi à une mise en place des identifiants numériques qui sont nécessaires pour le déploiement de la monnaie numérique. Les conséquences claires du Covid ont été une accélération soudaine et massive de l'adoption de la technologie en général et une réorganisation des activités commerciales. Le soutien des géants du web qui font partie du GAFAM, c'est-à-dire Google, la société Alphabet, Apple, Facebook, qui s'appelle Meta, Amazon et Microsoft pour la vaccination, vient du fait que la vaccination était tout simplement le seul moyen de rendre obligatoires les identifiants numériques dont la haute finance a besoin et pour obliger les populations à payer avec ce moyen pour mondialiser le paiement en ligne, quelles que soient les devises. Donc nous avançons lentement vers une nouvelle matrice terrestre qui est le nouvel ordre mondial et qui est décrit comme une communauté de destin pour l'humanité sur une planète propre où l'on peut respirer et avec la neutralité carbone. Le nouvel ordre mondial continue de progresser régulièrement, de manière ordonnée et contrôlée, de même que le transhumanisme qui l'accompagne. La porte du monde capitaliste, chaotique et libre, occidental, va bientôt être fermée. L'agenda 2030, qui est le programme d'exécution du nouvel ordre mondial, est également en cours de déploiement. Tout est déjà préprogrammé. Il vise à collectiviser l'ensemble des structures terrestres
la propriété privée et à rééduquer les populations dans un esprit planétaire. Les convois de la liberté sont également préprogrammés, et ce qui se passe actuellement au Canada, en Belgique, en Autriche, dans les pays du Nord, en France, en Espagne, est également une opération élaborée pour détruire les défenses psychologiques ou la résistance contre les changements en cours. Les convois sont financés par de gros lobbies internationaux. En annonçant les agendas à l'avance et en agissant comme si cela s'était déjà produit, l'univers réagit en en faisant une réalité. L'agenda climatique remplacera la pandémie pour parvenir à un développement durable à faible émission de carbone. Certains pays se rallient, par exemple Quad, QUAD, est une alliance entre les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie, qui sont essentiellement mises en place pour contenir la Chine et maintenir l'hégémonie américaine. Et pour maintenir cette hégémonie, les USA provoquent des confrontations de manière artificielle pour saper la solidarité et la coopération internationale. La Chine souligne que la guerre froide est terminée depuis longtemps, que les entités nationales occidentales devraient abandonner la mentalité dépassée de la guerre froide et corriger leurs pratiques consistant à promouvoir la confrontation de groupes ainsi que les jeux géopolitiques et jouer un rôle constructif dans la paix et la stabilité de l'Europe et la région Asie-Pacifique. Pour ce qui concerne l'Ukraine, Kiev anticipe une action des forces armées russes dans le Donbass, Moscou dément et vient de reconnaître l'officialité des groupes séparatistes. Washington rapatrie ses diplomates, l'OTAN envoie des avions et des bateaux, la Russie redoute l'avancée de l'OTAN et de ses armées aux frontières russes. Washington redoute une invasion de l'Ukraine par la Russie, qui peut intervenir à tout moment, selon eux, mais la Russie redoute l'avancée de l'OTAN et des armées de l'OTAN vers les frontières russes. Néanmoins, les appels à quitter l'Ukraine se multiplient à l'initiative de plusieurs pays, Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas. Quant à la France, elle recommande de ne pas se rendre en Ukraine et elle demande à ses ressortissants de quitter le pays. Le Kremlin dénonce l'hystérie américaine et la Chine exhorte l'Occident à mettre fin à sa campagne de désinformation sur l'Ukraine. Des frappes conventionnelles ont eu lieu à l'est de l'Ukraine et des ressortissants ont été évacués vers la Russie.
Nos alliés stellaires ont désactivé la Troisième Guerre mondiale plusieurs fois déjà, au moins deux fois dont je me souvienne. Donc une guerre nucléaire ne devrait pas intervenir si le nouvel ordre mondial continue de se développer de la manière dont il le fait avec le développement de la crypto-monnaie et l'agenda 2030. Mais si cela se produit, le scénario sera le suivant. C'est également un scénario préprogrammé. Premièrement, des conflits de part et d'autre qui vont des uns aux autres et des échanges entre la Russie, les USA, un pays du Moyen-Orient, la Turquie ou l'Ukraine. Deuxièmement, des échanges individuels d'abord, puis en large réunion avec divers responsables de nations ou de l'OTAN et de plus en plus de monde qui s'en mêle. Troisièmement, ces conflits seront suivis par une première frappe conventionnelle, c'est peut-être ce qui se passe actuellement en Ukraine dans le Donbass. Des heurts ont éclaté entre Ukrainiens et séparatistes pro-russes depuis plusieurs jours. Après la reconnaissance par le président Poutine de l'indépendance des territoires séparatistes pro-russes à l'est de l'Ukraine, les blindés de Moscou ont pénétré dans le Donbass. Les Ukrainiens, évidemment, réagissent en disant qu'ils ne céderont pas une seule parcelle du pays. Les contrôleurs vont chercher dorénavant un prétexte pour attaquer, qui sera créé de toutes pièces, ou un événement violent que la Russie imputera à l'Ukraine. Une mise en scène contre des civils par les USA ou un autre pays, ou une fausse, voire une vraie attaque à l'arme chimique. Une première frappe de type conventionnel sera faite. Suivi d'une trêve de 2 à 3 jours. Elle-même suivie du déclenchement d'une guerre nucléaire. Qui pourrait éventuellement arriver les jours d'équinoxe ou de solstice, qui sont des dates importantes pour les contrôleurs. Donc les solstices sont le 21 juin et le 21 décembre, et les équinoxes le 20 mars et le 23 septembre. Donc il se pourrait que ce soit le 20 mars. L'équinoxe est à 16h33. À la suite de cette attaque nucléaire, il y aura sur Terre un hiver nucléaire où tout sera gelé. Si ces événements se produisent, voilà la suite du scénario.
les équipes de sauvetage supranationales du nouvel ordre mondial mettront en œuvre la distribution de plans de contrôle alimentaire en Europe et aux États-Unis sur la base de la grande expérience de l'ère d'une économie planifiée de la Chine. Des vaisseaux spatiaux de ravitaillement seront actifs et distribueront de la nourriture. Des équipes militaires de sauvetage seront en place. L'un des signes de la mise en place de ces facilités de distribution de nourriture sera l'ouverture par la Chine de coopératives d'approvisionnement et de commercialisation, et ces centres ressemblent à ceux que la majorité des stellaires, des extraterrestres, ont sur leur planète. Tous les survivants de cette possible guerre nucléaire seront temporairement mis en stase dans des lits médicaux, des capsules holographiques que vous connaissez, que j'ai déjà décrites, stockées dans des vaisseaux spatiaux d'origine terrestre ou dans des bases souterraines et des bunkers jusqu'à la fin de l'hiver nucléaire. Si nous en arrivons à ce point, ce traumatisme sera de nouveau stocké profondément dans l'ADN terrien, comme tous les précédents, notamment celui du célèbre déluge. Les populations gagneront ensuite le quartier général qui se trouve sur Mars et qui fera équipe avec les alliés humains survivants. L'entité supranationale du gouvernement mondial, à ce moment-là, est composée d'une nouvelle espèce surhumaine. Elle prendra le contrôle du nouveau monde en 2035 et cette nouvelle ère s'appellera l'année 00001. Toute cette organisation sera mise en place depuis la base lunaire S5, qui est l'œuvre du grand consortium planétaire dominé par les élites humaines. Entre-temps, le nouvel ordre mondial procédera à la surveillance de la mobilité des populations et au contrôle des personnes physiques jusqu'à ce que la deuxième phase de l'objectif vaccinal mondial de 85 à 90% de vaccinés soit achevée.
La mortalité et la baisse du taux des naissances n'est pas le point central de la gestion actuelle des populations. La vraie cible est tout autre. Ils recherchent les populations les plus intelligentes et les plus susceptibles de résister physiquement aux maladies. La Chine prend davantage de pouvoir par ses populations qui ont un QI supérieur à ceux des autres nations. Je rappelle qu'un QI est le résultat d'un test psychométrique qui entend fournir une indication quantitative standardisée de l'intelligence humaine. Pour ce qui concerne les réacteurs nucléaires lunaires, ils sont en train de tomber de plus en plus en panne et s'arrêtent quasiment complètement, comme toute centrale nucléaire sur Terre. La matrice artificielle terrestre, l'ancien monde donc, se désintègre de plus en plus, comme nous le voyons sur ces graphiques des résonances de Schumann. Les zones hachurées sont complètement vides et noires. En conséquence, de plus en plus de personnes s'éveillent progressivement à la réalité terrestre et sortent de l'ancien monde et de l'ancienne matrice. La nouvelle matrice terrestre est le nouvel ordre mondial. Elle s'installe alors que l'ancienne matrice est en train de complètement se désintégrer et de disparaître. Les énergies des deux matrices, l'ancienne matrice et la nouvelle, s'influencent mutuellement. La conscience collective planétaire terrestre s'adapte et monte à des diapasons plus élevés. L'une des plus grandes réussites de l'auteur japonais Matsuru Emoto, que l'on peut associer à une partie des recherches du professeur Luc Montagnier, qui est décédé le 8 février dernier, est la découverte de la mémoire et de la réplication de l'ADN dans l'eau. Emoto a avancé que l'eau est sensible à la pensée, qui sont des fréquences, et Montagnier celle que l'ADN dans l'eau pure ajouter un champ magnétique basse fréquence peut se répliquer à distance dans un autre tube à essai et que l'ADN émet
des ondes radio. Donc notre corps ou nos cellules, composées d'eau, peuvent elles-mêmes être des récepteurs émetteurs d'ondes radio. Et que nous sommes reliés aux fréquences qui nous entourent, immédiates sur Terre, ou plus éloignées, comme celles de la biosphère Lune, ou celles du cosmos et des galaxies. L'ascension, l'éveil de l'intelligence, n'est pas uniquement une capacité à penser et à raisonner, car la pensée fonctionne de façon mécanique, par déduction ou par induction. La pensée se situe en effet dans un processus linéaire de cause à effet et à conséquence. Elle est prisonnière du temps. L'intelligence est une capacité à observer, dans laquelle la conscience de l'observateur cesse d'intervenir ou d'interférer et qui exige une vigilance de tous instants. Elle implique une grande souplesse d'esprit, la clarté, l'ordre, la cohérence et de la concentration. Cette qualité de concentration est en effet très particulière du fait qu'elle ne résulte pas d'un acte de volonté ni d'une discipline que l'on s'impose de façon délibérée, mais plutôt d'une disponibilité et du silence intérieur au profond de soi. Je suis Tim, votre animatrice de service et l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement, de cœur.